kidnapping. Classique que qui méritait une enquête. Et kidnapper, fait 10 ans. Ça qui est plus important. Pierre Espérance à la grand prison, Kotcherson, il fait 3 heures de temps, 45 minutes. Dans qui sont carcéral, un citoyen, pral chita pendant 3 heures de temps, 45 minutes. Pour faire qui ça? Il y a Kotcherson, tout non. Il met chaîne dans pied, chaîne dans rel, l'international, il a passé l'examen et il rend compte qu'il n'est pas coupable. Et qui est-ce qui a traduit pour Kotcherson? Marie-Rosie Auguste du Sénat. Il y a un membre dans le kidnapping. Qui fait kidnapping? C'est le cas traduit pour Kotcherson. C'est le cas Kotcherson, avocat. Il se met Mario. Donc, c'est un cas. Et nous demandons, commissaire gouvernement, il faut le faire presser pour demander pour que vous auditionnez tout le monde qui est impliqué dans AXA, que nous-mêmes nous qualifions de kidnapping. Là, nous dénombrons ça, nous avons plus que 10 chefs d'accusation contre l'expérience dans ça. En dehors de kidnapping, association malfaiteur, il y a étrangers qui mélangent la donne, il y a vol téléphone. Ouais, nous avons quelques la donne toujours. Il y a plus que 10 chefs d'accusation dans sa privée, chef son nom. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes nous disons que commissaire gouvernement, DCPJ, jette pour. Si c'était un lot, longtemps, il a auditionné. Mais il a passé chez Kotcherson. Donc ça, il est clair. Et dossier, ça m'a dit nous là. Il est sur le plan international. Clair. Nous parlons sur le plan international avec lui, sur tout rapport assassinat, massacre, crime que Pierre Espérance fait citoyen en d'un pays. Ça. Déjà, nous en contact avec des organisations internationales. Et dossier Netsi, Diego Charles, massacre d'Elma 32. Tout parle sur le tapis. Faut lumière, faites sous lit. Et DCPJ gagne toute information possible et imaginable sous gang 4x4 là. Dernière date, il y a Florival Mendy qui a arrêté dans Saint-Marc, dans affrontement avec la police. Monsieur, ça a impliqué dans tuer policier. Il y a une zame la police dans le mail d'après information DCPJ gagne dans le mail. Il a arrêté avec plusieurs autres mounes. Et monsieur certifié, il justifié que. Il s'est bras droit et gang 4x4 dans la Tibonite. Nous avons dit que gang 4x4 est un bail qui est puissant. Donc, déjà là, allez au niveau des CPJ. Des CPJ, il faut que j'en baille rapport. Tandis que le bail blanc, le bail international, prochaine conférence que nous avons fait là, nous avons vu avec liste de monde qui était chita des CPJ, qui a le temps de rapport des CPJ gagné, plainte gagné, dossier gagné, super expérience. Monsieur étranger, ça, ok, je me doute que sorti Texas, il a tellement saisi, il a mis en tête. Il a prêté une conférence de presse, il n'a pas fait. Ça, il a entendu, ça, il a ouais, maman petite, Marie. C'est grave pour une organisation de droits humains. Mais dis-nous encore que il a arrêté Fleurival Mendy avec Mathieu. Toute information, ça. Et dans ce sens, ça, nous dit que faut que DCPJ assume responsabilité, il a fait lumière sous gang 4x4 là. Pour rapport à jeune commissaire gouvernement, même gens que commissaire gouvernement dit, la tonne rapport sous gang 4x4. Donc, Pierre Espérance a fait diversion, la créé diversion, m'a pas annoncé que Pierre Espérance pas dans le pays. Ok, pour une raison, pour l'autre, il trompait vigilance de CPJ. Il dit nous ça. Il était pris un prétexte que il est malade, il y a ma couclou, ma connaît. Faut qu'il y ait un médecin, un médecin traite en ligne. Pendant une période de 3 ou 4 jours, bien 8 jours, mais nous sommes au 4e mois là, Pierre Espérance n'est plus. Pierre Espérance pas sous sol là, mais elle a créé toute diversion, elle a bien tout support, monde. Donc, dans ce sens, ça nous dit que, Kotcherson Lagui, travail a continué, elle a continué à mener la bataille là, jusqu'à ce que Kotcherson joigne justice et réparation, et que la justice, actuellement là, pour plainte par nous, je vais apporter une petite précision pour nous. Pour qui ça Pierre Espérance te fait maintenant dans le rapport? Je veux dire, je suis clair sur ça. Il y a deux raisons fondamentales. Première raison, c'est parce que les RNDDH crasés, Marie-Hélène Gilles Kittel, l'a monté, j'éclairé. Le directeur général. C'est moi qui monte le dossier pour j'éclairer. C'est-à-dire analyser, le voyer dans la direction affaires politiques qui occupait de l'affaire fondation. Et puis moi qui finalise, invité à venir corriger. Finalement, nous remettre dossier avec les signatures appropriées et puis j'éclairer à fonctionner. Pierre Espérance n'est pas d'accord. Il est fâché et il contacte des amis. Il explique que je supporte Marie-Hélène Gilles. Deuxième élément pour nous connaître. Deuxième fait, il y a un monsieur qui est dans ICO qui est impliqué dans
détournement l'argent de l'État. Nèg fait chèque, un seul chèque qu'on fait 3-4 fois, plus passer 36 millions de gouttes que le ministère de l'Intérieur a perdu. Commissaire gouvernement a instruit le dossier, et bien il a arrêté Mounsayo. Mais probablement, monsieur Ikoa, c'est lui qui a changé chèque pour monsieur. Et il dit famille, monsieur, l'a vengé. Mais raison, ok? C'est deux raisons ça fondamentales. Monsieur a mouru dans prison parce que tu as arrêté dans détournement l'argent de l'État, puisque 36 millions de gouttes, 12 millions, etc. On seul jour, il y a 12 millions de gouttes qui changent. Et puis, nous procédons avec arrestation toute équipe là, la justice qui est béo. Et puis, comme c'était allié Pierre Espérance, depuis que nous Pierre Espérance, on va à droite. Et puis, monsieur dit, famille, monsieur, je ne connais pas, qu'il a vengé. Donc, et puis, il fait saloperie rapport là, et puis, il mettait nom là-dedans. Donc, moi-même, comme moi-même, mettez grand nom dans mon gouma, monsieur, je veux une information pour qui ça le fait, et puis nous jouons moun qui fait yo. Moi dis, monsieur, on a jugé sous dossier la saline, on a jugé sous dossier gang 4x4 qu'il était vrai kidnapper nous là, moun va témoigner tout ça dans le DCPJ. On a jugé sous la monnaie avec 10 politiciens de l'opposition qui participaient dans la mort, dans moun qui mourit d'elle matin de yo, et dans la monnaie. Ça au clair. C'est clair, nous avons tout nos yo et nous demandons, il faut procès au fait. Et lui dit, non, pas d'accord pour ces fait, il faut l'enterrer tout dossier. Mais raison qui fait ça, arrivé là, journée, jeudi à la. Donc, en gros, dernier kidnapper arrêté pour Pierre Espérance, c'est Fleurival Mendy, dans Saint-Marc, 12 janvier, il paraît devant la police, devant il témoigner le 17 janvier 2023. Merci. Objectif conférence, ça tout d'abord. C'est pour nous faire le point sur deux éléments importants. Pour demander de CPJ pour auditionner l'ensemble de monde qui était kidnappé Pierre Estérin, et qui était kidnappé Chelson Sanon. Parce que les Chelson Sanon expliquaient tout détail. Nous, son kidnapping pur et simple. Comment ça? Il prend téléphone, il allait dans un côté avec lui, il séquestré les biens dans la prison et Pierre Estérin porté dossier. Donc, le commissaire gouvernement a pour responsabilité mandé pour auditionner Mounsayo. Et ça, c'est plus grave là. Pierre Espérance a une conversation à Chelson, l'éloi Chelson pour la guerre. Conversation ça a mené là. Il fait du 11 novembre au 21 décembre. Et Chelson expliquait comment tout le bagage passe. Deuxième bagage, on a dit. L'objectif là, c'est pour nous dire, DCPJ, gang 4x4 là, où il y a assez d'informations sur lui. Dernière d'actualité, c'est Fleurival Mendy qui est impliqué dans tuer policiers. Nous voyons comment la situation policière est dans le pays ça, et nous déplorons ça et nous demandons justice et réparation pour tous les policiers qui tombent dans le pays ça. Donc, en gros, il a arrêté plus que 12 membres dans le gang 4x4 là, et dossier ça, il pourra aller sur le plan international. Merci.